Parfaitement utilisé par le Saint-Esprit pour que le nom des enfants de Dieu soit écrit dans le livre de vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu aiguises-nous, Seigneur. Seigneur, tes yeux, aiguise-nous puissamment. Oh, Roi, et ton esprit, Seigneur, purifie notre canal. Le console, Seigneur Jésus. Notre cœur, Seigneur, le canal soit oh, puissamment, la voix de et que le nom des enfants soit écrit dans le livre de vie. Agis puissamment. Au nom de Jésus, en prie. Dans la prime et de manger le laisseau, c'est lui qui a créé tout. Et nous savons que le Léviathan est l'esprit qui opère dans les eaux. Alors priez que tout esprit des eaux en ce lieu, tout signe des eaux en ce lieu soit frappé. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Et que le sang de Jésus nettoie cette eau. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nettoie, purifie cette eau, Seigneur. Dès que, Seigneur, tes enfants seront plongés. Oh, Seigneur, plus de Dieu, c'est à ton sang, Seigneur. Les esprits des eaux soient foudroyés par le feu. Ils n'ont pas leur place ici. Au nom de Jésus, j'en prie, je suis affirmé. Seigneur, te disons merci, te bénissons, papa. Nous dédions, Seigneur, cette eau à toi, Seigneur l'Éternel, demandant que le sang chauffe l'Éternel inonde ce lieu. Seigneur, dès que tes enfants seront plongés dans ce sang, ce n'est plus dans cette eau, c'est dans ton sang, Seigneur. Amen. Dès leur sortie, revêtu de ta puissance, Seigneur, l'Éternel des armées. Nous voulons, Seigneur, voir ton esprit en action dans cette eau, Seigneur. Oui. Notamment tes enfants qui seront revêtus de ta puissance. Amen. Seigneur l'Éternel, parle et aiguise, Seigneur. Active leur don, Seigneur, spirituel. Amen. Afin que tout soit manifeste en ce lieu. Que nous soyons glorifiés, exaltés à jamais. Amen. Que l'armée s'escampe autour de nous. Amen. Afin que tout se déroule, Seigneur, Amen. Sous la garde de ton esprit Amen. Et sous la garde de ton armée. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec mes mains. Je ne pas les mains. Je le loue avec mes yeux. Je le loue avec mon âme. C'est que je le loue là-haut. C'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Maman, quelles sont vos impressions en ce jour de baptême? Je veux recevoir Jésus dans la fête. Voilà. Alléluia, Jésus. Atteste que aujourd'hui c'est le jour qu'il reçoit Jésus en vérité. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est un vrai engagement que vous faites de recevoir Jésus. Reconnaissez-vous réellement la puissance de sa résurrection après sa mort à la croix. Et ce jour, c'est le jour où le ciel ne nous pas. Votre mentionné votre nom dans le livre de vie, dans le démarrage, vraiment la nouvelle vie en Jésus dans la sainte doctrine. Voilà, papa, dis-nous, c'est très fort. Aujourd'hui, votre nom sera effacé du livre de la mort.
et écrit dans le livre de la vie. Et le Seigneur va vous libérer complètement et vous marquer de son souffle. Et par ce baptême, vous allez devenir un vrai enfant. Je dois faire des grâces pour le Seigneur. Amen. C'est pour son service. Amen. Dans son ministère. Amen. Les grandes personnes et aussi les petits. Mais tu réveilles, est en train de mobiliser tous les enfants de Dieu. Et Jésus pouvait dire, mes brebis connaissent ma voix, et quand ils entendent ma voix, elles me suivent. Et effectivement, le papa, il fut un brebis de Jésus qui a entendu la voix de Jésus et il a accompagné Jésus. Nous bénissons le Saint Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons prier pour le Seigneur Jésus. De près, sauf vous, que ce Seigneur fasse à demander comme ça, sortir de la table. Le Seigneur fasse, je veux que le Seigneur fasse pour moi les merveilles qu'il a eu à faire dans la vie des apôtres, des prophètes. Et que moi-même, par la grâce de Dieu, je me vois un jour comme un prophète ou un pasteur. Amen, amen. Amen. Pour le servir. Pour le servir. Alléluia. Amen, amen. Il est déterminé pour servir Jésus. Amen, amen. Pour vraiment servir le Seigneur. Il est engagé complètement. Alléluia. Alléluia. Merci infiniment. Vous connaissez le serviteur Timothée. Que la santé soit établie. Que la santé soit là. Je prie maintenant. Je prie que vous soyez fidèle comme Seigneur. Je dis, je prie. La même année que Timothée était fidèle à Paul et fidèle à Christ. Seigneur, je prie. Fidèle à Christ. Vous allez nous servir dans le livre de Joël. Et vous allez lire les recommandations que la Bible vous donne sous l'inspiration de Saint-Esprit à Timothée. Timothée, Timothée. Vous allez voir pourquoi il vous donne ce nom. Gloire à Jésus. Amen. Dans la Bible. Nous déclarons que tu meurs avec Christ, que tu ressuscites avec Christ. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Tu es mort avec Jésus, ressuscité avec lui. Amen. Seigneur, remplis-le, remplis-le, remplis-le. Saint-Esprit de Dieu, remplis-le. Saint-Esprit de Dieu, équipe-le. Équipe-le de ta force, de ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur, remplis-le de ton notion. Remplis-le de ta puissance. Et aujourd'hui, Seigneur, sois rempli. Le serviteur de Dieu, je prie que vraiment quand il voit ton histoire, ça rapporte au prophète Jean-Baptiste. Et à partir de maintenant, au nom de Jésus, oui, le parler à compagnie. Au nom de Jésus, prie que les temps soient à la chose. La paix de justice, il marche dans la justice. Seigneur, nous, le Seigneur de la vérité, de la vérité, il marche, tout le monde qui marche, nous faisons la vérité, nous faisons chausser, nous faisons de l'évangile. Et avec lequel il ira annoncer ta parole, Seigneur, qu'il en soit voilà, ici. Voilà. Seigneur, qu'il saisit maintenant. Et pour que tu l'as une fois, véritablement par la Seigneur à toi, afin que rien ne... Papa Jean-Baptiste, aujourd'hui, devant le ciel, de la terre, nous vous baptisons au nom de Jésus. Vous êtes moi, Jésus-Christ, avec Christ, avec Jésus.
Seigneur Jésus, je prie maintenant à l'instant que le ciel s'ouvre. Amen. Que ta promesse accomplisse la haute de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi dis, vous recevez un projet. Et quand tu as projet, que Dieu vous le cite. C'est Jésus qui vit en moi. C'est moi qui vit. Alléluia. Vraiment, je vois que vous êtes joyeuse. Alléluia. Rappelez-moi votre nom. Que tous les dons, le don de Jésus, que qu'est-ce que vous impressionnez? Qu'est-ce que vous sentez? Activez. Au nom puissant de Jésus. Où étiez-vous? Et dans quel monde vous étiez avant de connaître la vérité? Parce que ta parole est là. Seigneur Jésus, que tu la bien donné. Je prie ma bouche. Et comment vous avez connu vraiment ce message? Et vous êtes prêt à renoncer à la religion, aux fausses doctrines, marcher dans la vérité. Vraiment, c'est une grâce que le Seigneur vous donne. Et le Saint-Esprit vous donne le nom de grâce. Le nom de grâce. Vous avez reçu la manifestation, la grâce de Dieu. Voilà. Donc, nous allons prier pour que cette grâce se manifeste dans votre vie, dans votre vie, les compagnons de votre prière, et que ce baptême soit mémorable, et que le Seigneur agisse et accomplisse sa parole dans votre vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, voici ta grâce aujourd'hui. Elle est venue se faire baptiser en ton nom. Seigneur, oui, elle a quitté les dénominations, les églises. Oh, tu la vois là, pour pouvoir s'imprégner de la sainte doctrine de ce conduit à ce rêve. Seigneur, je prie maintenant, dès que l'on l'approche, qu'elle meurt avec toi, qu'elle ressuscite en toi, Seigneur, avec toi. Je prie maintenant que tout ce qui est en elle, qui est mondanité, soit dépouillé, Seigneur, et qu'aujourd'hui, son nom soit écrit dans le livre de vie, qu'il naisse de nouveau, qu'elle naisse de nouveau spirituellement, et que par ce baptême, oui, elle s'engage à marcher avec toi en fidélité, avec fidélité, intégrité. Crois-tu, Seigneur, accomplis ta parole, agis fidèlement. Dès qu'elle soit baptisée, je prie que qu'elle manifeste les dons, que les dons qui sont en elle, qui étaient cachés, oui, se réveillent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ils ont prié. Amen. Quand vous êtes poigné dans l'eau, ils sont oui, grâce. Hein? Les hommes, c'est grâce. Sœur Grâce, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Tu es morte avec Jésus. Ressuscité au nom de Jésus-Christ, hop là, deviens même état de ton maintenant. Les dons de parler de langue, les dons de déportation, les dons de prophétie, les dons de parole de sagesse. Maintenant, Seigneur, hop là de ton maintenant. C'est des sous, je mets en elle les dons, mets en elle les dons. Seigneur, je suis agi maintenant, agi dans sa vie. Seigneur, mets en elle la puissance pour guérir les malades. Seigneur, mets à sa main maintenant les dons de guérison, les dons de puissance. Maintenant même, lorsque les poissons les mettent aux malades, pour que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, lorsqu'il y aura des morts, que les morts soient ressuscités, tu reçois la puissance. Tu reçois maintenant. Tout ce qui était mort en toi, dans les églises, de la voie large, maintenant que tu as condamné d'autres, maintenant les dons de prophétie se manifestent. Les dons se manifestent. Le Saint-Esprit t'équipe maintenant. Il t'équipe maintenant. Le discernement des esprits. Oui, les choses cachées te sont révélées. Amen. Maintenant,
tu seras une intercesseuse. Intercédez pour l'œuvre de Dieu. Intercédez pour le royaume de Dieu. Intercédez pour le corps de Christ. Reçois cette grâce. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois. 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 Reçois le feu de l'intercession. Le feu de la prière. Reçois le feu de la prière. Reçois le feu de la prière. Lorsque tu te mettras à genoux, tu prieras. Et les montagnes sont déplacées. Reçois la grâce de prier un esprit par l'esprit. De prier un esprit par l'esprit. De prier un esprit. De prier maintenant. Reçois maintenant le parler à l'âme. C'est que je mets le don de parler à l'âme. Le parler à l'âme. Que ce don se manifeste dans sa vie. Seigneur, équipe-la de ce don maintenant. Équipe-la de ce don. Seigneur, pour prier en langue. Seigneur, mets en elle. Oui, le feu de la prière. Le feu de la prière. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Ta langue. Il y a des langues de feu descendent sur toi. Les langues de feu. 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 Les langues de feu sur toi. Même à la maison, lorsqu'elle se mettra à prier, elle a été la reine avec la gloire de Jésus. Elle va contaminer le nouvel Jésus. Ok, la sœur Esther, nous allons prier que le nom Esther soit attaché à son nom. Que l'onction qui accompagne, les bénédictions qui accompagnent le nom Esther soit attaché à son nom et à ton nom. Prions, nous, Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ta servante. Seigneur Jésus, Esther, je prie que le nom. Vous irez évangéliser. Allez, évangéliser. Allez, évangéliser. Le Saint-Esprit t'équipe, tu reçois le cas du salut, la curée de justice, la ceinture de vérité, la chaussure du zèle de l'évangile. Tu reçois maintenant le bouclier de la foi. Tu saisis ton bouclier maintenant. Tu reçois maintenant l'épée de l'Esprit. Tu reçois l'épée maintenant. Tu saisis ton épée. Reçois le manteau de gloire. Aujourd'hui, un soleil de justice s'élève sur toi. Au nom de Jésus. Un soleil de gloire, de bénédiction s'élève sur toi. Maintenant, tu auras des richesses de la même manière que les étoiles sont nombreuses. Maintenant, tu reçois une grande bénédiction de sa part, de la part du Seigneur. Maintenant, tu donnes la force d'aller te le servir comme un disciple au nom du sang de Jésus. Amen. Mets dans ta main droite, mets dans ta main gauche le bouclier de la foi, le bouclier de prière qui lui permettra d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Seigneur, je prie maintenant, accorde-lui maintenant l'épée de l'ennemi. Saisis l'épée. Saisis l'épée maintenant. Saisis cette épée, tu tailleras. Tout l'esprit de famille, dans le nom puissant de Jésus, tu reçois le manteau de fermeté. Tu reçois le manteau de fermeté pour demeurer dans le salut. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Car à qui maintenant a fermé ses mains, a fermé sa voix. Dans le nom puissant de Jésus, nous en prions. Amen. Vous l'avez demandé ce qu'elle a reçu. Voilà, shalom ma soeur Esther. Dis-moi, quand vous étiez plongé dans l'eau, et sorti, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Amen. Comment tu vis à nouveau? La présence du Saint-Esprit qui était venu sur moi, je suis maintenant revêtu de nouvelles gloires. Alléluia! Lorsqu'on l'a plongée dans l'eau de baptême, elle a senti la présence du Saint-Esprit qui l'a couverte. Et elle a reçu une nouvelle gloire. Elle a été revêtue d'un vêtement de gloire de la part du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Jésus. Nous allons bénir le Seigneur pour les âmes qui ont été
sauvé aujourd'hui. Quand on pose le nom écrit dans le lit de vie, prions, remercions le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que Dieu vraiment merci. Pour ces âmes qui ont été baptisées, dont le nom a été écrit dans le lit de vie en ce jour. Seigneur, que Dieu vraiment merci d'avoir pris ce baptême, d'avoir prouvé ce baptême. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Seigneur, sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur qui nous a donné cette belle occasion de venir achever notre course que nous avons entamée. Oui, depuis longtemps, le Seigneur nous a permis de venir ici pour vous faire baptiser. Et aujourd'hui, nous prenons son écrit dans le livre de vie. Amen. Et comme nous le savons, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc si nous parlons des choses anciennes, ça veut dire que la vie ancienne que nous menions, que nous avons menée, la vie de mensonge, la vie de fornication, la vie d'adultère, la vie de péché. Donc nous devons apprendre toutes ces choses-là et suivre Jésus-Christ dans la vérité. Donc nous sommes une nouvelle créature. Ces choses-là, nous ne devons pas nous mettre encore dans ces choses. Nous voulons maintenant que, à partir de ce matin, à partir de ce moment, que vous vous engagiez avec le Seigneur Jésus. Et comme le Seigneur l'a dit, si vous avez oublié toutes ces choses, vous avez lavé vos mains et vous êtes purifié maintenant, si vous retournez encore dans vos vomissures, les démons, vous le savez bien, les démons qui vont revenir, ça ne sera pas un seul, mais ça sera sept, plus costaud. Donc c'est pourquoi nous devons venir une vie de sanctification, une vie de pureté devant le Seigneur. Sinon, les esprits vont commencer par vous, ne va pas revenir encore. Que le Seigneur vous aide. La marche est longue, le chemin est long, mais que le Seigneur vous fortifie afin que cet engagement que vous avez pris devant nous ce matin et vous avez accepté, oui, passer par la sainte doctrine, vous avez accepté, oui, passer par la repentance, la délivrance, et aujourd'hui, oui, vous achevez cette route par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qu'il vous conduit dans cette marche avec lui jusqu'au bout de votre vie. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Nous allons prier. Demain, venez. Voilà. On va vous présenter à l'église. Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu, notre Rédempteur, nous voulons te dire infiniment merci pour la vie de ses serviteurs et la vie de tes servants, Seigneur Jésus-Christ, que tu as choisi. Désormais, Seigneur Jésus, oui, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Tu as déchiré déjà leurs noms dans le livre de condamnation et tu as écrit leurs noms dans le livre de vie maintenant. Seigneur Jésus, c'est que ta parole.
parole a déclaré, puis sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sans toi, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi nous voulons les recommander entre les mains. Afin que, Seigneur, tu les accompagnes, Seigneur Jésus-Christ. Tu les amènes, Seigneur Jésus, à aller jusqu'au bout, Seigneur Dieu, avec toi. Seigneur éternel Dieu, fortifie-les, Seigneur Jésus. Sois avec eux, Seigneur Jésus, pendant cette passe, Seigneur Jésus. Il aura des tribulations, il aura des tentations, Seigneur Jésus. Nous prions que ton Esprit Saint soit aux côtés d'eux et que tu les fortifies davantage. Tu les mets, Seigneur Jésus, toujours, Seigneur, dans ce chemin que tu as tracé, le chemin de la vie éternelle, Seigneur Jésus. Sois avec eux, Seigneur. Dès maintenant,